Bon, ben, je vais m'essayer pour faire le Easter Egg de Infinite Warfare dans Zombie Spaceland. Ça fait des années que je me suis pas essayé, fait que ça se peut, genre, qu'il y a des affaires que je me souviens juste plus. Mon but, c'est pas de faire le gros Easter Egg de la map, de genre le Ghost and Skull. Ça va être juste de vraiment essayer de faire le Easter Egg, de battre l'alien. C'est ça mon but. C'est comme un plus gros Easter Egg dans la map qui nécessite de tuer l'alien, mais je suis comme même pas capable de. Je l'ai tué une fois, genre l'alien en boss battle, mais j'ai jamais réussi à le battre en faisant le Easter Egg. Puis solo, j'ai jamais réussi à me rendre à l'alien. Je m'avais déjà rendu une couple de fois à l'alien en gang, mais solo, jamais. Puis là, ça fait longtemps, genre, je me suis pas essayé, fait que ça se peut, genre, je suis carrément perdu. I am Willard Wylerbs, master of the macabre. For over 40 years, I directed the most terrifying, visceral, and bloody scenes Hier, ever j'ai. Ben, committed to avant hier, je film. me suis starté une game de My God. BO2 sur Buried. Puis, je regrette quasiment de l'avoir fait. J'ai battu mon record, que c'était genre vague 47. Je me suis rendu à vague 70 dans la game, mais. Willard? Comment dire? When I said I wanted to be in one of your movies, I didn't mean literally. Ça a été rough. Au début, genre, je la jouais safe pis tout. La vidéo a duré, genre, elle dure 11h30, là, la vidéo de que je me rends à vague 70. Puis, je sais qu'il y a du monde qui sont capables de se rendre à vague 100. J'ai checké sur Internet, il y a du monde qui était capable de se rendre à vague 100, genre, en 10 heures, à peu près. Mais ce que je voyais, c'est tout un monde-là, il reste dans le coin dans un coin de map, puis il bouge pas, là, genre. Ou il bouge à peine. J'ai pas regardé leur vidéo au complet, là, mais ça avait l'air à ça. Puis c'est ça. Puis là, quand je l'ai faite, la map. Ouais, c'est ça. Quand j'ai fait la map, puis avant-hier, rendu à 5h du matin, j'étais comme ok, ben là, j'étais rendu à vague 68 là, à 5h du matin. Là. Ben, genre 4h et quelques. Là, j'étais comme, ok, ben, je vais mettre le jeu sur pause. J'ai mis le jeu sur pause. J'ai été me coucher. Je suis revenu, genre, 5h, 6h plus tard. Ben, j'aurais dû faire ça. Tirer genre une ou deux balles, puis après ça, genre. Parfait. Là, tu sais, comme lui, je manquerais, c'est un peu du robot. Quand même, ils remettent la tête. Ah, c'est ça, tu sais, je me suis couché. J'ai dormi genre 5 heures pour après ça, genre, quand je me suis réveillé, j'ai été mangé et tout. Fait que j'ai revenu comme 6 heures après avoir mis le jeu sur pause. J'avais peur que ma console éteigne, j'avais comme arrangé des settings ou j'avais peur aussi que la game se finisse parce que ça faisait trop longtemps qu'elle roulait. Parce que déjà là, genre, 11 heures dans une game de zombies, là, j'ai jamais fait ça. Dans une game de code zombie. Là. Parapluie. I feel like I'm on a mission for Flag, working with Michael Knight. Pourrais pas je t'aime. Vent anything. Je sais pas pourquoi je m'assieds si je le reprends en une minute vingt. Splinters, no splinters, no splinters. I hope this is enough. Just two more and you've got yourself a prize. Et puis, je pense que le best c'est genre ben, trois aliens. C'est deux aliens plus. Trois aliens.
trop sûr. Je pense que c'est comme peut-être deux aliens puis un autre. Ça ou genre un de chaque, me semble que c'est bon aussi. Ouais, fait que j'ai trouvé ça rough. Dans ma tête, c'était comme, ok. Tu sais, mon but c'est de battre mon vague 47. Quand je l'ai battu, après ça, c'est comme, bon, ben je vais essayer de battre. Je pense ma vague 54 que j'ai faite dans Raven Redwood, que ce soit genre ma map numéro 1. Ça devenait de plus en plus long. Pis... À la fin, il me semble que ça prenait à peu près une demi-heure faire une vague. C'était vraiment long. Pis ça m'a comme un peu découragé de continuer à jouer à Code Zombie. J'étais comme. Et même sans règle générale, là, quand je fais des games de Code Zombie, ça dure genre 3 heures et moins en règle générale. I do fancy myself a bit of a blacksmith. Je vais en mettre un de chaque. Mais on va dire d'habitude mes games de zombies durent pas mal moins que. Ben c'est ça, il dure 4 heures et moins en règle générale. Je trouve ça correct. Mais tu sais, quand c'est rendu, genre j'étais rendu à 11 heures, puis là Quand j'ai été me coucher, j'étais comme. Ben, je vais mettre le jeu sur pause, puis je vais continuer le lendemain. Puis si jamais je meurs pas, je vais continuer le surlendemain, puis tout. C'était pas mal ça, mon but. Puis j'avais comme prévu, comme, ok, ben, pour me rendre à vague 100, ça va être genre. Vendredi. Je l'aurais eu genre vendredi cette semaine ou samedi matin. Je me disais comme à la fin, là, ça va être quasiment une heure la vague. Peut-être même plus. Ah, mais c'est même mieux que t'es ici. Ah, il y a de l'autre bord. Genre ici. Mais ouais, j'étais découragé. J'étais découragé, j'étais content, mais en même temps découragé. Parce que je me disais, comme ça finira, ça va être vraiment long. Je suis mort de façon stupide. Parce que vers la plus avancé dans la game, plus. Well, that was harder than I anticipated. Je pense que c'est rouge-rouge-bleu, me semble, pour avoir. Mais il me semble que genre un de chaque, c'est bon aussi. I'm gonna need power for this. J'essaie de réparer les fonds tout ça, ça serait pas pire. Mais ouais, c'est ça. Parce qu'au début, c'est ça, j'ai joué plus safe pour essayer de... C'est ça, je m'ajoute plus safe pour essayer de battre mon record. Mais plus après ça, plus j'avançais, plus genre je voulais essayer d'y aller plus rapidement. C'est pas mal ça qui m'a tué. Je suis down deux fois à cause de ça. Au total, je suis down cinq fois. La première fois, je suis down. C'était avec un de mes pièges. J'avais mis genre le head cutter. Puis j'ai voulu placer la trampoline en face du head cutter. Puis c'est mon head cutter qui m'a genre tué. Il y a eu cette fois-là. Il y a eu deux shots. Ben genre la dernière shot, j'étais comme juste en bas de la place où que genre d'habitude je me tiens en haut. Il y a comme une place où que c'est comme deux étages, puis je me tiens au deuxième étage en règle générale. Puis j'atteins les zombies là, puis là quand les zombies arrivent proche de moi, je tombe en bas. J'étais comme pas loin de là.
Il manquerait le bout, ça serait. C'est complètement stupide. On va me réessayer. Je suis un peu plus que m'aligner. C'est complètement stupide. Je le voyais, là. Je m'en doutais pas mal, j'allais donner, puis j'y étais quand même. J'ai commencé. Il me faut la pièce bleue. Start ça. I am Willard Wyler, master of the macabre. For over 40 years, I directed the most terrifying, visceral, and bloody scenes ever committed to film. Il y a deux shots que je suis mort. Je pense que les deux dernières shots que je suis tombé en terre. C'était comme, ben c'est ça. Il y en a une shot que j'essaie de tuer des zombies dans une allée, puis je me suis fait donner par en arrière. Puis c'était comme normal. Admettons, dans les premières vagues, je faisais jamais ça, tuer des zombies là. Que je faisais quasiment juste tuer des zombies comme en haut, à la place que je trouvais safe. Puis ça, vers la fin, je suis tombé à terre de même, puis l'autre shot que je tombais à terre, juste en dessous de la place où d'habitude je me tiens en haut. Puis j'étais comme, allez, je suis mort là. Je le regrettais un peu, mais d'un côté, je me disais comme, je suis content que ça allait finir. Parce que sinon, c'est ça, j'aurais continué, puis... Mon intention c'était comme de me rendre à vague 100. Puis là, à un moment donné, je me disais comme, ben ouais, mais tu sais, si je me rends à vague 100 après ça, si je fais d'autres games de zombies, de d'autres maps, je me rends à vague 100, je vais avoir comme plein de maps que je me rends à vague 100. Ça me décourageait un peu. Mais genre, ça m'a vraiment découragé de continuer Code Zombie. Là, je suis sur Infinite Warfare pour essayer de faire un Easter egg. Je suis content que c'est pas pareil. Parce que genre, j'ai comme un objectif qui se finit, ça. Tu sais, mettons, faire le Easter egg, c'est un objectif qui se finit. Mais tu sais, d'essayer de faire le plus de vagues possible, là, c'est comme... Tu peux te rendre à l'infini. Mais je pense qu'il y a une limite, là, parce que, me semble, dans... À mes souvenirs... dans... Je pense que c'est BO1, mais peut-être que ça le fait aussi pour BO2. Si ton jeu il roule trop longtemps, à un moment donné, le jeu va close. Puis dépendant de quelle map à quelle map, ça peut être différent. T'sais, mettons dans une certaine map, ils vont dire, ok, ben mettons après 30 heures de jeu, ton jeu va te fermer d'en face. Mais que si, mettons, on trouve certaines portes dans la map, au lieu que ce soit 30 heures, ça va peut-être être 28 heures. Dans celui-là, il donne-tu des... Est-ce qu'il donne de l'argent quand tu pars, c'est ça? J'ai envie aussi qu'il y avait une pièce dans cette zone-là, puis que je... Vas-y, je commençais à me dire comme, il y a peut-être pas de pièce, mais ouais, il donne-tu de l'argent quand tu pars, c'est ça? Non. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai été un peu découragé de la map, puis je pense, comme je dis, je pense pas la refaire de sitôt. Puis quand je dis de sitôt, là, genre cette année, puis peut-être même, puis probablement même l'année prochaine, je vais pas refaire Buried. Pis c'est ça, ça m'a un petit peu dégoûté de continuer à faire des codes zombies. Là, je suis sur code zombie à soir, mais... Je suis sur code zombie, mais comme je dis, là, en ce moment, j'ai comme un objectif que je peux finir. Même si je pense pas l'avoir, là, mais tu sais, au moins, c'est comme... Mon but, c'est de faire le Easter egg, c'est pas de me rendre à la vague 100.
de queue. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Ouais, tu sais. Je risque quand même de continuer à refaire du code zombie. Je suis sûr que je vais refaire du code zombie. Pour faire essayer de battre mes records de wave, mais Buried, là, je pense pas de le refaire de sitôt. Peut-être que je le referai plus jamais solo. Je trouve ça le fun à faire, essayer de battre mes records. Tu sais, mettons, il y a des records que c'est j'ai pas fait beaucoup de vagues, c'est passé la barre, puis c'est tough. Mais là, ça, c'était comme. C'était super facile. C'était trop facile, fait que j'avais plus de fun. C'est comme je dis, c'est ça, je suis down trois fois de façon. Ben genre une fois de façon vraiment stupide, deux fois parce que genre j'ai voulu aller un peu trop vite. Mais tu sais, si admettons j'aurais eu. Si j'aurais eu genre. Admettons j'aurais eu du temps à l'infini, puis. Je m'aurais jamais tanné, j'aurais probablement. Quand je dis du temps infini, tu sais, genre tu. T'es pas fatigué, fait que t'as le goût de tout le temps continuer, pis t'as rien de prévu, pis. T'sais, si j'aurais pu continuer à l'infini, là, mettons. Là. Ben, t'sais, j'aurais pu continuer, là, mais t'sais, mettons, genre, je m'aurais pas tanné. J'aurais pas été fatigué. Même si, mettons, j'aurais continué le lendemain, là, mais t'sais, mettons. Là. Ben, j'aurais pas joué de façon stupide. Parce que c'est ça, à la fin, je suis tombé deux fois de façon parce que je voulais aller trop vite. Maybe I should try that thing. I hope this is enough. Just one more souvenir coin, and we've got a prize for you. It's like building a fort. Oh, il semble pour 27. Fait que c'est ça, j'aurais moins joué de façon stupide. Made possible by nerds. Mais bon, je suis quand même content de l'avoir fait, mais ça m'a un peu découragé. Puis, c'est pas mal ça. Puis, je pensais pas que ça aurait été aussi long. Mais tu sais, mettons, genre, je ferais une autre map. Tu sais, mettons, je donne un exemple. Là, mettons, je fais Transit de BO2. Bon, tu sais, mettons, je ferais Transit de BO2. Je suis genre à plus killer de zombies que dans cette map-là, la map de Buried. Quoique, tu sais, le gun que j'utilisais était crissement bon, mais tu sais, mettons dans Buried, une grosse affaire qui me faisait perdre du temps, c'est parce que genre, je fais quasiment juste des zombies à un certain spot. C'est pour ça qu'à la fin, je commençais à essayer de faire ça vite pour essayer de sauver du temps. Que déjà à 10 minutes la wave, je trouvais ça long. Quand c'est comme rendu d'une demi-heure la wave, c'est. C'est long en tabarnak. I do fancy myself a bit of a blacksmith. Let's hope this works. I can't wait to see how this turns out. Je pense que la baisse c'est vraiment deux aliens puis quelque chose d'autre.
La boombox est vraiment le best, là, me semble. Splinters, no splinters, no splinters. Fait que c'est ça, j'ai bien été découragé par ça. Faut quand même continuer à jouer à Code Zombie pour essayer de battre mes vagues. Je sais que j'avais un de mes amis qui voulait jouer en fin de semaine, mais je suis sûr que ça va tomber à l'eau. Je voulais jouer sur... il m'avait comme proposé une coupe de jeux, puis là j'avais dit comment c'est World War II ou Dead Rising 2, mais je suis pratiquement sûr que ça va juste tomber à l'eau. Mettons j'essaye ça. Deux aliens plus un bleu maintenant. Easy as 3.14159, or as some of us like to call it. Hi. Ok, ça m'a donné des tickets à cause du challenge que j'ai fait. Ceux de Dawn est là. Yes. On va faire ça. Faut que j'aille dans toutes les téléports de la map pour pouvoir aller au pack-a-punch. Not the exact temporal displacement I was expecting, but better than nothing. J'en ai un sur quatre. C'est les mêmes affaires, ouais, je pense. Hein. Ça, il me semble que ça me le prenait pour mon M14 ou mon M1, mais les deux autres, il me semble qu'il y en avait un qui était pas pris. Oh, j'en ai pas besoin de la bombe. En tout cas, pas pour l'instant. No land cards, no land cards. Tout de suite mon... ouais, je pense que je vais m'acheter tout de suite mon autre gun. Qui est le M1. M1 ou M14 dans le temps. Oh, c'est M1. M1, ouais. C'est ça au moins là, avec ce gun-là, le gros avantage, si tu fais le... si tu te rends au boss, tu peux racheter des balles. Et ce gun-là aussi. C'est comme ma deuxième option. Love crafting. Je suis resté 15 ans. Oh, is there extra credit or a makeup exam? That wood is perfect for boarding those windows. Mais là, je me souviens pas si t'es comme limité pour chaque minigame ou le total des minigames que tu fais ici. Et là, j'essaie de gagner des... Hey, ça part mal. Ça part mal en tabarnak. Tu sais qu'il y a une affaire, tu sais, le Ghost and Skull, je parlais, le gros easter egg de la map. Je suis capable d'avoir
coupe de crâne. Il y en a un que j'ai jamais eu réussi à avoir. Le... Parce qu'il faut que tu battes le boss là, pour l'avoir. Là. Mais je pense que le reste, j'ai déjà réussi à tous les avoir. Ah oh, shit, j'attends. Ouais, je peux le refaire. Je vais m'en débarrasser d'un autre zombie. Ah ouais, c'est peut-être une bonne couleur. En fait, c'est deux rouges, ça me prenait. Le cours ainsi. Onward. Je me souviens plus trop c'est où. Ah, je pense que c'est là, genre. Pourquoi 5-6 ans là, j'ai pas fait la map. Is there extra credit or a makeup exam? Step forward and make your wish. Je pense même pas acheter le quick revive. Peut-être. This can be reconfigured. J'en ai 2 sur 4. Au moins, je vais pouvoir mettre un jeton là-dedans. Here we go. Just two more and you've got yourself a prize. Ah, il a été super vite. I won! Tickets! Cool! Je pense que je suis mieux avec... Je sais, c'est ça, je sais pas si il y a comme une limite là. Ça, en règle générale, je le trouvais assez facile comme minigame. Et puis l'autre shot, je l'ai... En plus, pas pire, mes zombies courent pas. Pas pire quand t'es plusieurs dans la game parce que genre quelqu'un peut garder les zombies pis si t'as besoin de gosser avec les machines, tu peux y aller sans qu'il y ait des zombies qui essaient de te poigner. Je pense qu'on va y aller avec le 25. Ça va passer tellement proche. J'ai pas eu. Ok, c'est à 5 et demi. I suppose there's no time to sort by caliber. Oh, j'ai perdu la course pour ça.
pour ça qu'ils me l'ont pas donné. I won! Tickets! Cool! Fuck. Lui, je l'ai joué parce que c'était comme le plus loin du zombie. Ouais. Oh, assez mal. On va en avoir un autre king. Ah ouais, ça, ce serait pour les guns de la map. Je pense que je vais juste m'en foutre des guns de la map. We need to seal this place up. Sci-fi attachment? Yes, please. Now that's a bargain. L'impression que c'est l'autre, mais je vois aussi ça. Non, je pense que c'est l'autre. C'est ça que ça m'a détruit. Comment c'est pas ça que je voulais, mais... En ce moment, je m'en fous pas mal des défis du robot. Là. J'essaie surtout de. Mon but, c'est surtout d'essayer de me rendre à l'Easter Egg en ce moment. J'aime... Ben, mon but principal, ce serait de réussir à finir l'Easter Egg, mais. C'est ça, mon but, ce serait pas mal de finir l'Easter Egg, mais je pense pas y arriver. Mais juste, si je serais capable. Si je serais capable de me rendre à Easter Egg, c'est déjà un bon défi. Let's hope this works. This should slow them down for about 10.6 seconds. Parce que Jug a m'acheté ou j'ouvre des portes. Totally
precisely why I carry an extra set of clothes. We could use the portals, you know? GPS 2.14159, or as some of us like to call it. C'est bon, j'ai une joke à ce point. Ah, j'ai oublié de faire ça, hein. Je pense que ça te donnait plus d'argent quand tu tuais genre plusieurs zombies avec une balle. Puis là, il me semble qu'il y avait une pièce de radio au site. Once again, science saves the day. Ben, qui pouvait spawner. Il me semble que les pièces de radio, là, c'est... Ça dépend, me semble. Faut être chanceux, puis genre... Ben, chanceux. Il y a comme différents spawns, fait que ça veut pas nécessairement dire que dans ta game, tu vas avoir tout le temps les mêmes spawns. Puis justement, tantôt, j'avais... J'ai pogné, je pense, un bout de radio ici. Non, ici. Il me semble qu'il peut en avoir un là-bas, puis il y a un site. My imagination? I could use this to build anything. Let's hope this works. Okay. That's our spot for the pour le pack à punch. Ouais, mais c'est peut-être au sous-sol. Ah, peut-être ici. Je pense qu'il y a une place genre au deuxième étage, il y avait peut-être une pièce. Là il manque le parapluie puis l'autre affaire, je me souviens pas c'est quoi. À quelques lettres, I just found a classic program. And it's still functional. Now this is more like it. Le parapluie. Non, mais c'est pas nécessairement ça que je veux dire, mais j'imagine que c'était comme un par zone, fait qu'il peut en avoir deux dans cette zone-là.
je pense qu'il est au sous-sol, l'autre pièce. J'ai envie de me dire comme il y a comme tout le temps une pièce ici dans cette zone-là, une pièce à Kepler, puis une pièce à Journey, mais il n'y a jamais de pièce à Triton, je pense. Je ne peux pas souvenir qu'il y avait une pièce à Triton. Je suis peut-être dans le champ. J'aurais pu pas dû acheter ça dessus. Ça, je pense que c'est stamina. Ça me fuck un peu là, les potions dans celle-là. Là. Celle-là, j'étais pas sûr que j'avais pogné l'affaire pour avoir des trails de feu en arrière de toi. Ou genre le stamina. Puis là, comme je disais, il y avait sûrement une pièce pas loin. Pratiquement sûr, le parapluie est à quelque part ici. Et pas non plus. Peut-être qu'il y en a vraiment un à zone de glace. J'ai comme le souvenir qu'il y avait un spawn ici, à quelque part. Quand je dis ici, à quelque part, je parle là, au sous-sol. Là. Il y avait peut-être un spot aussi ici. We should really board up those windows. OK. Je vais checker. Il avait fait des vidéoguides de ça, il y a une certaine époque. Il avait fait pas mal de vidéoguides, me semble, dans Zombie in Spaceland. Quasiment une des seules maps, je pense, j'ai fait pas mal de vidéoguides. Il y a d'autres maps, j'ai fait des petits vidéoguides de code zombie, mais je n'ai pas fait gros. Je sais pas, j'ai marqué genre parapluie ou umbrella. Je pense que j'ai marqué en anglais. Il y a trois locations pour le parapluie. Là, j'ai une belle pub de Overwatch 2 qui m'intéresse pas pantoute. J'avais déjà joué un peu au 1, puis j'avais pas capoté. J'avais joué un peu parce qu'il était comme gratuit. Ok. Bon, ben, je pense que je sais où. Finalement, elle peut être aussi à Kepler. Là, je regrette d'avoir acheté mon ma potion là, à 2000$. Et là, si je veux me rendre à Kepler, je peux ouvrir. Il y a une porte que je peux ouvrir, je me rendre direct à Kepler. Je dis Kepler, c'est pas Kepler, la place Triton. Polar Peak, Triton, Polar Peak.
Puis je pourrais ouvrir cette porte-là. Le seul problème, c'est que ici, il y a comme une radio que tu peux installer. Puis si j'ouvre ça, j'ai l'impression que je vais me mettre dans la marde pour la radio. Michael Knight down here and fast. I'm gonna need some major backup. C'est bien que David accède. Oh fuck, ça va fucker mon enfant. Perhaps we should try the portals. Just like old times. Fuck. Je voulais pas qu'il tue des zombies, c'est ça le problème. J'aurais dû le garder pour justement quand j'ai besoin d'installer une radio. Your soul will be mine. Je pense que c'est ça. Il reste, je pense, une porte à ouvrir en passant par là. Invent anything. J'ai l'impression que s'il est loin de moi, il va pas tuer de zombies, fait que je vais faire plus d'argent. Peut-être d'autres défis que je peux faire avec. Il y a d'autres, une autre série de défis que je peux faire. I suppose there's no time to sort by caliber. Insta-kill. Je pense que celle-là va avoir le... Boombox. Yeah, c'est ça que je voulais. Fait que c'est deux rouges et un vert. Il me fait perdre de l'argent. J'ai pas dû l'appeler. On est sur le bord de partir, par ici. Le fait que j'ai acheté ma potion pour courir plus vite, plus le fait que j'ai callé David Asseller, ça m'a fait perdre pas mal d'argent. J'aurais pu déjà commencer. C'est ça, j'aurais pu déjà commencer à faire les radios. Quand je dis faire les radios, je parle de. J'ai des chanceux. Let there be light. Ah.
votre gun. Je vais revenir. Not the exact temporal displacement I was expecting, but better than nothing. I should at least try it. Why are my pants so tight? This is not the scene you are slated to be in. For goodness sakes, it is impossible to find good talent these days. Get back on set. Ow, the thing just gave me a wedgie. Ouais, c'est ça, je vais y retourner quand que. On va avoir moins de zombies, là, pour essayer de récupérer le. Ouais, c'est ça, pour essayer de récupérer la pièce de parapluie. Let's hope this works. Là, je pense que prochaine wave va avoir les gros bonhommes de la map. Ils ont comme des gros. Ils ont comme un genre de gros casque, mais dans le fond, ils ont des petites têtes. Des lasers, me semble. On va avoir une prochaine wave. On va arriver dans pas long. Ah fuck, hey, j'aurais pas dû prendre ça. Ça peut toujours être pratique de péter des genres de cibles, là, pis ces affaires-là. Comme une coupe d'affaires tu peux faire avec ça dans la map, là. Il y a des cibles. Un genre de 13 cibles, où il y a 13 locations de cibles. En tout cas, il y a des cibles que tu peux péter, ça je me souviens. Comme il me semble qu'il y en a une genre ici. Whoa! It's like I traveled back to the 50s. Il y en avait une là. What does this little UFO want us to do? Ça, je pense que c'est pour le Ghost and Skull ou pour un gun de la map. Tu pètes les cibles. Welcome to the Polar Peaks. Please place all large items in a stowaway bin. Et ouais, je t'ai mis ça pour essayer de récupérer le parapluie. Vent anything! I've just found a high-density PPA battery power pack. These things pack enough wattage to power an electric fence. Whatever this power sure does require a lot of juice. I'm gonna piss me so that I can fall. Checker.
Dans le fond, elle est juste pas dans cette zone-là en ce moment, puis elle est à une autre zone, puis j'ai juste pas checké l'autre place. Ah, ok. Je pense que je sais où. Le pire, j'ai checké pas loin de là tantôt, mais je l'ai juste pas spoté. Ah, si je pense que je passe pas à la bonne place. That wood is perfect for boarding those windows. Displacement I was expecting, but better than nothing. Ok, ouais, c'était par là. Ça, mon record de wave est pas si gros que ça dans cette map-là. Je pense que c'est genre 19 solo. J'ai l'impression que je suis capable de le battre facilement. C'est ça, il était direct là, une parapluie. J'ai glacé un petit peu dans zone ici, c'est même une pièce qui peut spawner là. Est-ce que... En tout cas. Mais ça, on va peut-être un moment donné se placer pour battre mon record dans la map. Mais... Ça, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est pas trop dur. La map était pas trop dure, mais. Ça peut être rough. Je pense que qu'est-ce qui est le plus rough, c'est le fait que t'as genre une vague avec des gros bonhommes. Tu peux clearer comme ta vague et garder le gros bonhomme pour ta prochaine wave. Que ça peut te mettre dans la merde. En ce moment, j'ai même pas le goût d'essayer de gosser pour essayer de faire les guns de la map. Déjà, je gosse beaucoup, là. Ça fait une heure que la vidéo roule, mais genre, j'ai... T'sais, j'ai fait deux... C'est ma deuxième game, là. Ah oh, ouais, là, je me suis... Fait tout le tour, mais la dernière fois, j'ai pensé à tout. Bon, là, il est pas là en ce moment, il est dans... D'abord, il était à la place... à Polar Peak. Par contre, moi, c'est vraiment pas des choux à Polar Peak. Bon, ça, c'est pour la porte que j'ai pour eux. Il est par là. Je pensais pas qu'il était ici, tout de là, mais. J'avais comme assumé qu'il était comme dans cette petite zone-là. Et là, je pense qu'il faut que j'attende un autre wave. Pour qu'il me donne la patente. Sorry, Space Cadet, I'm not. I suppose there's no time to sort by caliber.
You ever get the odd feeling you've been somewhere or done something before? Tu sais où il y avait les petits jets d'eau? Il peut avoir une pièce pour un gomme, non? Mais je pense qu'il faut que tu tisses à l'arrière d'un bateau pour tout ça. Je passe pas loin de venir. Ça, c'est bon signe. You wouldn't happen to know if that turbo boosting car that looks just like it is around here would pull up to mix and match this type of thing. Let's hope this works. Oh, I can't wait to see how this turns out. Ça, c'est un défi assez facile. Plein de zombies, ça peut être rough. Puis si les fenêtres sont pas pétées aussi, ça peut être rough. Easier than a pop quiz. Eating a perk. What's the worst that could happen? J'aimerais ça installer ma première radio. I love crafting. Pas trop bien. Là, il faudrait que j'aille revoir David à cela. Je pense qu'il va me donner à radio cette vague-là. Peut-être l'autre, vu que genre le son était dans cette vague-là. Un petit peu trop. Just two more, and you've got yourself a prize. Même la pièce a disparu. Je crois pas avec ce gun-là, c'est pas terrible de faire ce challenge-là. Avec un shotgun, ça me semble que ça a l'air bien. Peut-être avec des grenades. Behind-the-scenes access to the park. Zip on over to the Cosmic Way to
J'ai comme eu un souvenir de cible dans ma tête. Il me semble qu'il faut en fait genre 13 ans. T'as fait pas 13 cibles ou. Peut-être un peu moins que ça, puis au total, il y a 13 cibles qui peuvent spawner. Ben, 13 locations, mais dans le fond, c'est peut-être moins que ça à péter. Ou t'as plus de locations, puis. Au plus, je vais peut-être être capable d'installer ma première radio. On a même une place 7. C'est dans le champ. À moins que j'attende un autre wave pour pouvoir installer ma radio. Il y a un bateau qui est là. Ben, là, en ce moment, je vois pas, mais il y a un petit bateau ici. Il y a une pièce en arrière du bateau, me semble, pour tu sais. Puis là, après ça, elle va apparaître dans une petite affaire bleue ici. Oh, je l'ai fait comme faux. This battery I just found doesn't look like an ordinary battery, and its markings are unlike any comme I've dit, ever seen. Something tells me this little energy cell powers something out tu of tu peux this faire world. Les Easter eggs dans les gommes de la map. Oh, almost lost my glasses. Qu'est-ce que je peux installer dans ma radio? Je pense que j'ai pas le choix d'attendre une wave. Je me dis, je serais peut-être capable. Si j'attends une wave. En attendant une wave, je serais capable de guider mes guns. J'ai fait un petit saut. Juste un petit saut. Ouais, c'est un mot, c'est pas pratique. Oh, j'ai trop haut et tout ça. Ah, c'est vrai, tu peux brûler genre deux fois, me semble. Deux ou trois fois, je pense, dans celle-là. Je suis plus sûr. Ça va être un autre. Je fancy myself a bit of a blacksmith. Le gun upgrade ça vaut pas mal mieux. Je vais aller me coincer. Je trouvais pas trop venir par ici parce que.
J'aime bien faire farmer, genre ben, faire des waves au, au début. Peut-être de quoi qu'il faut que je fasse pour pouvoir mettre la radio à terre. Je sais qu'il y a un spot ici pour la radio justement. Je peux toujours pas la mettre. Ah ouais, c'est des zombies avec des pièges. Ça me pour les petits vaisseaux spatiaux. On va aller parler à David à celle-là parce que... J'ai un peu perdu. Ah ouais, faut que je fasse toute la série de challenge avec lui, mais il me semble que t'es pas obligé. Ah, puis je suis sûr qu'il est même plus rendu là, il doit avoir changé de place. Should at least try it. T'as les 4 gommes de la map en bas. T'as le robot. Que je ne sais pas si. Je pense avec tous les défis que je vais faire, il va y avoir l'autre pièce peut-être. Après ça, le Exquisite. Ah, j'ai oublié de péter les dents avec le gros bonhomme. Mais je sais pas si c'est pour un gun de la map ça ou pour autre chose. Les dents, je peux acheter ici. C'est une pièce. Bullying stuff our resident rapper Ice Pick keeps referring to? I think I just got some in the form of some really big gold teeth.
Et peut-être faut que je refasse un autre wave pour pouvoir l'utiliser, la boombox. Les autres pièces d'exquisite, moi je me souviens vraiment pas comment les avoir. J'ai l'impression que c'était avec le add-on que j'ai mis à mon gun, que j'ai acheté avec des tickets. Je pense que je vais restarter une wave. Je sais juste vraiment pas quoi faire. Mais. Toujours pas l'installer. Because it's funny than each other. That wood is perfect for boarding those windows. C'est encore des... sur des ondes. Growl. Je pense pas que ça rapporte le robot là. Here we go. This formula should net me something useful.
your soul will be mine. It may be time to play a fate and fortune card. C'est juste genre faut que je retourne parler à David Asseloff. Bon, pas là parce que là il peut plus à m'aider. Bon, là c'est pas ça. Ça j'ai essayé. Oh, ça fait rire. Est-ce que je peux mettre la boombox? Toujours pas. C'est juste une affaire genre vraiment stupide, là, genre que j'y ai pas parlé après. Il fallait que je pense une wave que j'aille parler, là, vraiment j'ai une affaire stupide devant. Je vais checker vite fait. Bon, poignées les objets, c'est fait. Donner au DJ, c'est fait. Ça me dit que c'est comme mon prochain step, c'est vraiment genre de placer la sitcom. Mais il y a peut-être des. Je peux peut-être pas la mettre n'importe où en ce moment. C'est peut-être ça. Il me semble que je pourrais choisir aussi le Starking, mais il y a peut-être une ici. Je vais essayer de trouver le spot. Bon, il y a un spot ici. Ça pas de light ici. Il y avait un spot là aussi. Je vais peut-être mettre moi ici. Ça n'a pas de light là. Il y avait un sous-sol. Puis... Je sens qu'il y en a un pas loin d'ici. Almost forgot. I have a souvenir token I can deposit. Time and get back on the set. Our zombie stunt team is getting restless. Dang, that thing just gave me a wedgie. What's about it, Batsy? Et au sous-sol, je voulais checker aussi. Il y avait un autre spot ici. Tu peux mettre ta radio.
pour le shredder. Je pense que ça te sent, ok. On va essayer d'aller parler à son kiosque. Hein. C'est peut-être juste une emploi un peu de domaine. Ouais, c'était comme dans le sous-sol. C'est ça la pièce qui me manque, c'est un OS. Not sure what's on it, if anything, but I just found a 5 1/4 inch floppy disk. Oh, it'd be so cool if Ghosts and Skulls was on this floppy. That was like my favorite game. Anyone seen something with a floppy drive around here? Là, je pense que là, je vais coller la ville à Soloff pour de l'argent. Ah non, faut que je refasse encore des défis. Comme perdu, je parle de là. Checker sur internet. D'après moi, le guide que j'ai vu, là, il est juste pas bon. Il y a genre un... Il doit manquer genre un step dedans. C'était un guide écrit. Là.
Ok, fait que les pièges, je les ai. Peut-être l'affaire de lumière, c'est quand il a sonné que j'ai eu ça. Ok, c'est trois locations random. Dans le fond, je pense que j'aurais pu le faire depuis longtemps. Donc, il y a 7 spots. Dans le fond, j'ai peut-être checké genre plein de spots depuis tantôt que je peux juste pas les installer parce que j'ai pas pogné ces spots-là. Mais là, je suis rendu à vague 13, j'ai l'impression que si j'essaie de faire mon historique, ça va être genre juste rushant. Déjà, je trouvais que j'ai comme perdu du temps. We should really board up those windows. C'est ça, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. J'ai mal fait une couple d'affaires, mais là, si j'aurais pu l'installer depuis une couple de waves, c'est juste parce que j'ai pas trouvé le spot. C'est encore pire. Là. J'aurais pu genre commencer l'Easter egg, il y a genre 5-6 vagues de ça, mais dans le fond. Ouais. Là, je sais pas si en ce moment j'ai le choix des trois locations. Tu sais, est-ce que les trois locations, je peux les mettre là en ce moment? Ou il y a genre une location sur sept que je peux mettre, puis après ils vont m'en donner un autre, puis après ça un autre. Je vais rechecker ici. C'est quoi la lumière jaune? Pas trop sûr, mais ça c'est peut-être le pack à punch. Genre le portal pour le pack à punch. Là, il y a peut-être un autre spot ici à quelque part.
Il y avait un autre spot de site à quelque part. C'est à quelque part. Ben ouais, c'était ça, c'était. Manquer mon affaire. Fuck. Ouais, c'est si je l'aurais starté 5-6 waves avant, ou peut-être même 7 waves avant, ça aurait été beaucoup mieux. Mais pas été terrible mon affaire. Mais faut dire que ça faisait longtemps que je l'avais pas essayé. Fait que je check un peu sur internet là, pour quelques affaires. Mais... ouais. Peut-être me réessayer dans les prochains jours pour essayer de. Là, je suis comme juste un peu écœuré. Ben, avant de finir. Je me réessayer à essayer de le battre. Genre, il y a des shots. Le premier jour que je me suis essayé pour faire le boss, là, dans, mettons, dans Ring Armand, là. Genre début, ben fin septembre, là, je m'avais essayé pour battre le boss. J'avais pas filmé, puis je me disais comme oublie ça, là, genre je l'aurai jamais. Non seulement ça, mais j'étais genre vraiment découragé, là, il me tuait des fois en quelques secondes. Je vais prendre ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit comme tu peux avoir 5 perks, mais je vois pas l'intérêt de pogner genre ça. Comme 5ème perk, c'est après ça j'ai plus de perks pis fait dans l'art 2 shots. Ouais, un de mes gros problèmes avec ce boss là souvent là, c'est que je veux trop y faire du dégât. Surtout au début là. Quand il se pend, je me fais souvent donner direct au début. Ça prend pas tant de balles que ça pour le damner, c'est juste pour que t'es pognes bien. Faut que tu le pognes bien, c'est pour vous. Comme là, j'ai pas l'impression que je vais bien pogner à porter une deux balles. Puis j'ai l'impression aussi qu'il récupère seulement de la vie quand il tombe à terre. Tu sais, quand il se met à terre. Hein. Quand il se penche, pis là, comme ça bulle. Pis là, tu peux y enlever comme une fille. En général, c'est le seul moment où tu peux récupérer de la vie. Sinon, il enlève pas. Comme ça, c'était pas terrible, mais une shot là-dessus. C'est une des raisons pourquoi le M1, là, que genre, je pouvais essayer de faire l'easter egg avec le M1, c'est parce que tu peux récupérer des balles. Moi, si ça me tombe, genre, je suis dans la merde, j'aurais pas le choix d'acheter le M1 de la. Ben, un des deux guns, c'est nul, c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un pourrait me dire, ben, tu prends toi deux autres guns. Prends toi deux autres bons guns, pis.
t'es dans le marde, pogne les mains. Sauf que genre, si je pogne les mains en plein boss fight, je peux pas l'upgrader. C'est ça le désavantage. Wow! That thing just like teleported. I wonder where the mortal enemies go. En tout cas, je trouve que ça va pas mal mieux pour le boss. Comparativement, mettons, au début, les premières fois que je me suis contre. Hein. Comme je dis, les premières fois que je me suis contre, j'essaie trop de faire du dégât vite. C'est ça qui me donnait souvent. Au lieu de prendre mon temps. Peut-être que la fête a duré genre 20, 30, 40 minutes. Hein. À mon avis, le best, c'est déjà dans le rouge. Ben, je dis déjà, c'est 3 minutes. Les mongs sont capables de battre le boss en même pas une minute. Là, un autre de mes gros problèmes avec ce boss-là, c'est que des fois, je le danse. Puis, je veux tellement y enlever sa fille que je suis prêt à me faire danser pour y enlever sa fille. C'est ça un de mes gros problèmes aussi. À mon avis, c'est le meilleur spot pour essayer d'y enlever la fuse. Je trouve ça plus safe faire genre les tours là-bas. Fuck, j'ai trop resté là. Tu sais qu'il y a comme deux allées où que je suis tombé, là, mettons plus loin où que je suis tombé, là, genre en regardant en face d'où c'est que je suis tombé. Il y a comme deux allées là, qui t'emmènent vraiment au début. Puis ça, je trouve ça pas mal plus safe d'essayer de te promener là. C'est juste que pour il a enlevé la fuse. Si tu vois qu'il est comme dans le rouge, on dirait que c'est comme plus dangereux d'être là. Ben, pas plus dangereux, mais genre, c'est plus dur d'y enlever la fuse parce que genre, on a plein de zombies en arrière de toi ou qui vont te bloquer. Tandis que là où que je faisais des tours, en genre, que le pack à punch, c'est pas mal plus easy. Je pense pour faire une game de code pour asseoir. En tout cas, c'était le fun de refaire Zombie in Spaceland. Puis, je vais peut-être essayer de me concentrer un peu plus là-dessus pour le mois si je joue à code. Parce que BO2, là, j'ai genre pas mal joué ce mois-ci. Là. Puis, comme je dis, Origin ne m'intéresse pas. Dire Rise, je ne l'ai pas essayé dans ce mois-ci, mais je suis pas un gros fan de Dire Rise. J'ai fait un petit peu de Mob of the Dead dans le mois. J'ai surtout fait genre Transit, Buried. Juste mes deux games de Buried, là, c'est comme, je pense que c'est... Les deux games que j'ai fait dans Buried pour plus de temps que toutes mes games que j'ai fait d'entendre dans le mois. Genre. Peut-être toutes mes games de code zombie réunies du mois. Ouais, fait que je sais pas trop. Je pourrais toujours. Ça fait longtemps. Je pourrais toujours starter le jeu puis pas faire une game. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Alors tu sais, je regarde les maps puis je fais comme ouais, il n'y en a pas une qui me tente. Pour le jour du vétéran. Là. T'sais, l'année passée, j'avais fait World War II en long play. Il me semble que c'est l'année passée. Je vais checker. C'est comme. Je pense que c'était la fin de semaine après ça que c'était la fin de semaine des vétérans. J'ai fait le 6 novembre. Comme j'ai fini le jeu le 6 novembre 2021. Mais, ouais, c'est ça. Puis je pense que c'était la semaine d'après. C'était comme la fin de semaine. Ben,
la fête des vétérans. Je dis comme, ok, c'est à peu près en même temps. Je m'en fous pas mal. Je voulais pas le faire nécessairement la même journée, là, parce que des fois, genre, des empêchements pis tout. Mais pour cette année, pour le mois de novembre, je risque de faire World at War. En long plus. Bon, le jeu, l'histoire, j'ai plus le goût de faire de map. Le but, c'est si j'aurais fait une map, celle que j'avais en tête, c'est comme celle que t'es dans une petite maison pis que... Je pense que t'as pas de perks, ou t'as des perks, mais genre, c'est... T'as pas de porte à ouvrir, pis est vraiment rough. Ok, je le restart. Je peux l'essayer une fois, là. Je sais pas c'est quoi mon record dans cette map-là, mais ça doit pas être gros. Ça doit pas être gros, surtout je pense que je l'ai fait comme une fois la map. Je l'avais trouvé quand même pas pire. À mes souvenirs, une affaire j'avais déjà dit dans un top 25, que... Ben, juste top 25, un de mes affaires de top ou de tier list que j'avais fait, puis j'avais comme classé cette map-là. L'affaire que j'avais dit, c'était comme, c'est une map, je trouve que c'est la map qui fait le plus horreur de code zombie. Ben, je trouve déjà, ce code zombie-là, c'est lui, je trouve, qui fait le plus horreur des codes que j'ai joué, en tout cas. Ben, des maps. Tu sais, Infinite Warfare, je trouve que c'est comme celui le plus enfantin, on pourrait dire. Pas que c'est mauvais, hein, tu sais, je dis enfantin dans le style genre... comme, il y a des clowns, des affaires de même, là, c'est, ça fait bizarre. Mais j'aime ça, j'adore Infinite Warfare, mais celle-là, on dirait qu'il y a plus horreur. Oh, ouais, c'est vrai, je voulais voir comment j'avais fait dans la map. Ben, comment j'avais fait. C'était quoi mon record dans la map, c'est ça que je voulais dire. Oh, c'est vague 10. Celle-là, il y a la première map pour que j'essaie de battre mon record qui est de vague 1. Ben, je pense que j'ai un record, mais genre, j'ai pas recordé ou j'ai effacé la vidéo. Genre, quand j'ai un record genre personnel, pas un record mondial. Dans celle-là. Je pense que je l'ai quasiment juste fait en ligne, mais j'ai... Mais il me semble que j'ai déjà fait solo. Je l'ai... Je sais pas. Mais ouais, je trouve que ce Call of Duty-là fait plus horreur. Surtout genre cette map-là. Celle-là. C'est-tu? Ouais, celle-là. Celle-là moins. Celle-là aussi. Ben, surtout ces deux maps-là, je trouve que ça fait beaucoup plus horreur. Bon, je vais essayer de battre mon vague 10 de cette map-là. Pas le goût de gosser à checker c'est quoi les affaires que j'ai là-dedans. Tu vois, je fais une game, là, elle va durer genre même pas 15 minutes. Puis là, peut-être cette semaine, je vais peut-être essayer de me... Je vais peut-être essayer de m'essayer à... Je peux pas glisser dans ça. Je sais pas si j'avais déjà l'armure au complet. Mais bon. C'est ça, je vais peut-être m'essayer cette semaine pour Non-Massacre. D'essayer de faire un long play. Non, cette map-là, elle fait beaucoup penser à la première map de World at War. Shit, ça va. Et tout à fait. J'ai eu peur. J'étais tellement concentré avec le petit cheval à terre.
Ouais, c'est ça, cette map-là me fait penser à la première map de World at War. Je préfère la première map de World at War. Parce que, tu sais, c'est... J'aime moins World War II. J'aime moins le genre de système de World War II. Je crois que, tu sais, World at War... première map, y'a pas grand-chose. Quand même deux portes à ouvrir, là, celle-là, t'as rien. T'as rien à ouvrir, mais t'as des perks. Attaque 2. Pas de quel gun j'aurais acheté, celle-là ou l'autre. Je pense qu'on est juste pas tes deux. Imagine les deux, ça serait pas cool. Puis là j'alterne, genre je pogne le shotgun, petite balle dans le shotgun, je pogne une mitraillette ou deux personnes. Ça, là, à mon avis, là, c'est le best. Alors, je me mets ici. Là, si je suis dans la merde, je saute en bas. J'étais pas dans la merde, mais je. J'étais plus dans la merde. J'étais comme dans la merde, mais je me suis pitché quand j'étais plus dans la merde. Je pense que je vais économiser pour ce gun-là à la place. Je sais pas s'il est meilleur, mais il est plus cher. Donc j'imagine qu'il est meilleur. Je connais tellement pas en gun. Ça, c'est une mitraillette. Celle-là aussi. L'autre en haut, c'est un shotgun. Je me connais un peu. Mitraillette, mitraillette, shotgun. Je peux pas dire, mettons, genre, ouais, celle-là, c'est une mitraillette, elle a 40 balles dans le chargeur. Elle tire à 3, elle tire 30 balles à seconde. Ah, c'est-tu, j'ai des grenades. Genre de grenades. De camouflage, je pense que c'est pour les zombies mignons. C'est avec ça, c'est pas ça. C'est un rampant qui m'a genre jammé. Checker quelque chose. Ok, c'est correct. Même peut-être mieux, plus que correct. C'était genre, je pense que. Attends, je regarde. Je sais pas si le not visible, le texte, il ne faut pas qu'il soit visible. Ou c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cercle. Ou le cercle. J'imagine c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cercle qu'il faut pas que je le voie. Je pense que c'est ça. L'idéal. C'est encore plus noir que ce que c'était. La wave elle devrait pas être trop ça. Je
Ouais, avec la musique, on dirait qu'il y a comme un gros. Un gros zombie, ou je sais pas trop. Parce que, mais c'est qu'il y avait des zombies spéciales dans la map. Par moi, c'est des petits zombies de même. Dans le fond, là, cette map-là, tu peux genre l'ouvrir et te rendre plus loin, c'est un easter egg, mais moi je pense que c'est... Dans le fond, t'es pas censé rester juste dans genre cette petite bâtisse-là, ou tu peux aller plus loin dans la bâtisse, puis juste pas au courant, peut-être. Je pense vraiment que c'est genre une map sur vie, là, que genre, je peux pas aller plus loin que ça. Ça fait, je suis le poignet. Tantôt je savais c'était quoi j'avais, parce que c'était comme ça. C'est ça, tantôt je savais c'était quoi j'avais poignet, parce que c'était comme une bombe. C'est une bombe, c'est, ben ça paraissait que c'était une genre de bombe. C'est ça que j'aime pas d'un code à l'autre, le fait qu'ils veulent trop essayer de changer certaines affaires. Ça fait en sorte que c'est juste mélangeant pour quelqu'un qui joue casual. Là. Genre comme moi en ce moment, là, qui joue genre quelques fois à World War II, quelques fois à Advanced Warfare. Infinite, je trouve ça moins pire. Faut dire que j'ai beaucoup joué à Infinite, là, mais celle-là, je trouve ça un peu rough. Ah, oh, si j'ai pas changé le bon gun. Putain, j'ai 3 guns. Ben ouais. T'es. Ça doit être un des genres de perks que j'avais, là, genre en bas à droite. Ben pas que tu startes avec des genres de perks de même. Genre un genre de move kick par défaut. Tant qu'à ça, je mousse même avec les 3 guns. Instakill. J'ai pas vu le message. Ouais. L'autre affaire que j'ai pogné tantôt, je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'il y a quoi de nouveau dans celle-là, ou c'est peut-être genre. Peut-être un max à la mouf, je m'en suis pas rendu compte. Pas remarqué, il fait tellement noir.
J'ai l'impression ici, c'est une baisse pour que je tombe. Comparativement à l'autre place. C'est comme en train de tomber. C'est l'autre place. C'est comme ici, je peux genre vraiment surveiller en face de moi. Je vais pas me faire. En face, t'es à monter. Je vais se prendre juste en face de moi. Je trouve un peu moins, mais. J'ai une meilleure vie que là-bas. Là-bas, faut que je fasse plus un genre de 180, mais si c'est plus dans le 90 en fait. C'est surtout genre en face de moi. J'ai l'impression. Là, voilà ça, je m'en viens ici. Je fais un tour genre de même. Je m'en viens ici. Je retourne là. Je pense que c'est ça le best. Faut que je pogne l'affaire que je sais pas c'est quoi. Tiens, mettons que je regarde là ici. Ouais, tu sais, ici c'est comme plus un genre de 180 degrés pour que je check. L'idéal que j'ai ça. J'ai voulu genre fasse le tour, je pense. Ça aurait été pas mal mieux. Il me semble que ça va venir de plus en plus cher ici, quand t'as l'air. Je pensais qu'il n'y avait pas eu. Je pense que ça, c'est bien. Je vais prendre dessus aussi après nous avoir fait un petit peu de temps. Rien à voir ici. Il semble aussi qu'il y avait des yeux dans ce moment.
secondes. J'ai battu mon record. La bombe m'a sauvé, mais je pense que j'aurais pu quand même faire la vague. Je pense plus qu'il en restait gros. Je pense que je vais l'acheter, mais sinon à deux boucliers, je pense que je vais l'acheter. Et c'est ça, ça va devenir de plus en plus fort. Et si, je suis là. Putain, merde. Ok, eux autres sont pas dans la vague. Ce que je veux dire par là, c'est genre la vague a restarté. Si les autres sont encore là, je les ai pas tués. J'ai l'impression que c'est peut-être un par wave rendu. Ok, là j'aurais pas le choix vraiment d'acheter de l'armure. J'ai pas mal d'argent en plus. Ben, toujours le choix, mais je pense pas faire l'acheter. 3000. Je sais pas si t'as une limite que tu peux acheter, mais je me souviens pas, mais je pense que c'était comme de plus en plus fort.
poche, c'est pas mal en débrouille. Genre de technique qui m'a l'air de sauter en bas, mais j'ai vraiment cette technique-là que j'avais peut-être pas spoté l'autre spot. Genre ce spot-là pour tomber, c'est encore drôle. Peut-être que j'ai utilisé aucun de ces spots-là, mais je vais essayer de faire. J'ai encore pas mal d'argent pour l'acheter. Vague 15 quand même. Je pensais même pas battre mon record de vague 10. Mais quand même. Cool. Bon ben moi j'arrête ça là.